coup, je vais essayer de vous faire un petit tutoriel un maquillage avec la Cat Eyes tant que le soleil, on va dire, est là, parce que c'est pas gagné. Voilà, je vous l'ai montré hier. Et je vais faire la classique, la ligne 2, qui est en prune rose, parce que j'ai déjà fait en marronné. Voilà, je la remontre. Voilà. Et on va utiliser la ligne 2, là. Hop là. Alors, c'est une première pour moi. Je vais vous montrer sur le petit. On va utiliser le petit modèle. Voilà. Les instructions. Je vais utiliser bien sûr mon scotch parce que tout le monde aime tant. Les gens dehors. Et j'ai posé sur le coin. Petite glace, je mets des léopards toujours, que je vais poser sur le coin extérieur de l'œil. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà, ça étire le regard. Les sœurs qui sont sorties. Alors, on va commencer par ce modèle-là. Et je vais suivre ce qu'ils disent. Alors, appliquer Mahou des cils aux sourcils. Alors, Mahou, c'est celui-là. Et ici, le sourcil, ça veut dire que c'est sur toute la surface. C'est même un petit peu, peut-être, que ça vous aidera. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre paupière. La lumière est pas terrible, je trouve. Mais bon, c'est peut-être quand le soleil se cache. Voilà. C'est donc sur toute la surface. Comme c'est montré sur le petit dessin. Voilà. Après. Alors, appliquer Jungle Love en insistant au bord des cils inférieurs et en étirant vers l'extérieur. Alors, Jungle Love, c'est le petit violet irisé. C'est celui-là. Vous voyez bien, ouais, soit il s'est caché, mais tant pis, je continue. Alors, ouais, je suis en train de lire autre chose là. Appliquer Jungle Love, voilà. 2, 3, cils inférieurs en étirant vers l'extérieur. D'accord. Je m'attends. Ça fait ça et on va remonter le long. Par contre, vous voyez, il marque bien. Voilà. Voilà. Ça fait une ligne tout le long là. Et on va faire l'autre côté. En étirant le bord. Délicatement, vous voyez, pour que ça passe une ligne quand même assez fine.
je crois. Une première. Ça fait ça. Après. Alors, appliquez Jungle Love en assistant au bord des cils inférieurs et en les tirant vers l'extérieur. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, 3. Avec un pinceau pour le contour des yeux. Bon, on va considérer que c'est un pinceau pour le contour des yeux. Hein. Vous savez, moi, j'utilise ce que j'ai. Dessiner un œil de chat avec Jungle Love. Alors ça, c'est il faut faire tout le contour. Contour des yeux, normalement, c'est plat. Mais on va se débrouiller. Vous pouvez commencer sec et si vous avez du mal, vous pouvez le faire mouillé. Mouiller un peu pour un tracé plus joli. On rentre la muqueuse avec un crayon. Vous voyez? Et allez, par petit à coup. Pour que ça passe. Et tire vers l'extérieur. Pas habitué à me voir comme ça. Si vous avez un crayon plat, ça sera plus facile. Alors, après, contour des yeux, dessiner un œil de chat avec chaque. Dessiner une autre fine ligne juste au-dessus avec Pussycat et étirer vers l'extérieur. Voilà, alors Pussycat. Oui, je dis pas que je suis une pro. Hein. Pussycat, c'est le petit rosé là, qui est très joli, qui d'ailleurs il est beaucoup plus joli qu'en caméra. Et c'est un rose vraiment framboise, un rose bleuté. Moi, je ne le vois pas en caméra et on va faire par-dessus cette ligne-là. On va rigoler. Voilà. Par contre, vous voyez.
Ça donne ça, je sais pas si vous voyez. Et sur le dessin, on remonte. On va faire l'autre côté. La gauche est toujours plus difficile pour moi. Par-dessus. Et par un coup. En mouillant, c'est plus facile. Et remonter la ligne là. Voilà. Alors. On voit, il n'y a plus de soleil. Ah, j'étais sûre. Dessiner le clip. Et astuce, il y a une petite astuce. Ajouter le Tiger Eyes dans le pli pour dessiner le contour de la paupière. Alors ça, je vais utiliser mon pinceau biseauté. Alors, le Tiger Eyes, je vais vous le montrer. Le petit caramel, c'est celui-là, et on va le mettre au creux de la paupière là, pour donner de l'intensité au regard. Estomper. Et on va enlever le tout. Hop. Hop. Voilà, ça donne ça. Bien sûr, je vais utiliser mon crayon pour faire dans les muqueuses. Après, je vais estomper après. Crayon, alors le crayon que j'utilise, c'est le Rockstar d'Urban Decay. Voilà, il est un peu dans les tons un peu prunes. C'est un délice dans les muqueuses, mais c'est très joli. Et en haut. Pareil, de l'autre côté. Et en haut.
un pinceau pour estomper. Et on va le mettre le mascara, bien entendu. Ouais, je vois toutes mes taches rousseur. Ah, j'ai utilisé bien sûr le mascara Shocking Yves Saint Laurent, le 2. Bah, affiché là, le 2. Et affiché là, c'est le noir gris. Hein. Je l'ai acheté, c'est ce que j'utilise. Zoom, zoom, petit. Voilà. J'aime bien parce qu'il fait des cils épais. Et recourbé. Il faut avoir là la petite main quand même. On zigzague. Pareil de l'autre côté. Hop. Ça, et on va utiliser un rouge à lèvres rose d'Orient parce qu'on a fait les yeux assez chargés. Donc je vais utiliser mon petit rouge à lèvres Agnès B. Ça doit être celui-là. Ouais. Rose d'Orient. Il se fait plus bien sûr puisqu'ils ont fermé. C'était 481. Le contour des lèvres, mon petit crayon cerise. J'ai pas pris le bon rose d'Orient. Voilà. J'ai eu un doute sur le rouge à lèvres. Ça donne ça. Pour l'ensemble, ça donne ça. Et vous pouvez poudrer le visage. Voilà, bisous.